Bon, alors désolé pour la dernière partie, je vois pas comment est-ce que bon, ce sera un petit souci qu'on aura besoin peut-être de débugger, etc. Mais bon. En attendant, on a un site web qui marche, donc voilà, je suis capable de me loguer, donc voilà, je vais me loguer. Hop, avec ça, wrong password. Je vais mettre le bon password. Voilà. Voilà, alors le petit souci encore, je sais pas pourquoi, mais voilà, il faut qu'on recharge. Ça c'est dommage, mais ensuite, une fois que c'est bon, bah là on est bon. Donc là, il y a des postes, je peux add une image et dire voilà, ça c'est moi au Sénégal. Je peux poster. Voilà, et donc il est bien. Voilà, j'avais encore des cheveux longs. Voilà, donc là il est bien. Je peux le supprimer si je veux. Voilà. Ici, je peux dire voilà, that's me. Bonjour les gars. Voilà, je peux poster. On est bien. Ok. Maintenant, je peux me log out et puis je peux me loguer comme quelqu'un d'autre. Donc, je vais me loguer comme Bob. Et alors, lui, je crois que c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, aussi. Voilà. Alors là, voilà, même problème. Il faut recharger la page. Je sais pas pourquoi on a ce souci. Mais bon, voilà. Bonjour les gars. Et puis là, je peux lui dire Hello Ben. Voilà. Et donc, Bob, il a dit bonjour. Très bien. Bob, lui, il a aussi posté Hello Guys, et donc lui, il peut supprimer son propre post. Voilà, et tout persiste et tout va bien. Bon, voilà, donc c'est tout ce qu'on voulait faire. Le seul petit souci maintenant, voilà, c'est quand on login. Voilà. Voilà. Le problème, c'est que quand on login et que ensuite on a ce problème de rafraîchissement qui, voilà, qui est chiant. Je sais pas d'où ça vient. Si j'ai le temps, j'essaierai de tester ça, mais sinon, voilà, on fera juste un contrôle R et ça passera. Voilà, très bien. Bah écoutez, bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'ici. Voilà, j'espère que cette petite série, mini-série vous a plu. C'était le dernier projet des Open Classrooms. Donc, si vous êtes arrivé aussi loin, je vous dis bravo. Si vous me validez, vous pouvez m'envoyer un petit email. Je serai toujours content. De savoir si ça, cette série vous a aidé. J'ai aussi pas mal de mails que j'envoie à mes étudiants qui terminent le parcours avec énormément de conseils dedans, des lectures, des vidéos, des trucs à suivre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez des questions ou si vous voulez simplement recevoir un petit peu ces informations-là. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous aider sur ce projet. Et puis voilà, à une prochaine!